La Mancelle, constructeur de caravanes qui existe depuis 1960 au Mans. Nous fabriquons entre 300 et 350 caravanes par an. Des caravanes de haut de gamme, faites d'une manière traditionnelle avec des menuisiers professionnels. Les différentes étapes de la caravane sont, d'abord on va assembler le châssis, monter le châssis avec tous ses éléments techniques. Par la suite, on va poser l'ensemble du mobilier sur les châssis. L'ensemble de la menuiserie, des mobiliers, du câblage électrique est fait sur place. Et la troisième grande étape, c'est qu'on va fermer la caravane avec les panneaux extérieurs et le toit. Alors le grand pari, la grande nouveauté cette année pour la Mancelle, c'est la sortie de cette nouvelle caravane, la Liberty, qui se veut une caravane résolument différente et moderne. Une caravane qui casse les codes un petit peu de la caravane boîte traditionnelle, puisque là on est sur des formes très arrondies avec un petit clin d'œil au nautisme. La Mancelle a déjà une gamme forte, une gamme d'une dizaine de modèles sur trois segmentations. Change carrément les codes cette année avec ce produit. L'image de marque de la Mancelle est bonne et on espère que cette caravane va trouver son public. C'est innovant, c'est un grand pari pour la Mancelle. Mais le verdict sera pour nous à la Foire du Mans dans un premier temps et au Salon du Bourget, au Salon National.